Le deepfake, cette évolution qui fait trembler les piliers de l'information. Mais il faut commencer par le commencement. Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle vidéo micro-documentaire. Le sujet du jour est le deepfake. Au début, des personnes postaient quelquefois des vidéos de deepfake où l'on pouvait y voir des célébrités dans les films où elles n'ont jamais joué, notamment dans les films pornographiques ou encore des politiciens pour leur faire dire des choses insensées pour rire. Tout cela était sans réelles conséquences et n'avait pas impacté le monde. Mais depuis peu, ce problème a une dimension supérieure à ces petites vidéos en utilisant cette fois-ci des politiques influents dans le monde comme les présidents afin de produire de fausses informations. Le deepfake ou hypertrucage est un logiciel qui permet de truquer des vidéos de manière hyper réaliste conçue grâce à une technologie de superposition d'images. Cette synthèse d'images est possible grâce à l'intelligence artificielle et au deep learning. Ce type de vidéo est apparu à partir de 2017, particulièrement sur Reddit et sur YouTube. L'IA est une technologie utilisée pour recréer une intelligence artificielle qui nous ressemble. Le deep learning est une nouvelle manière d'apprentissage pour les IA. Avant, pour qu'elles sachent faire quelque chose, il fallait que le développeur crée un programme et donne beaucoup de données au logiciel. Cela pouvait prendre des jours. Le deep learning révolutionne l'IA car avec sa nouvelle construction intérieure qualifiée de réseau neuronal, elle peut apprendre et progresser toute seule en faisant des séries de calculs. Grâce à ça, le logiciel peut apprendre à reconnaître une voix humaine et s'auto-évaluer, ce qui augmente sa performance. Le deep learning nous fait donc passer d'une IA exécutrice à une IA autonome. Elle est indispensable au deepfake car en apprenant par elle-même, elle peut de façon autonome se faire des montages vidéo sur la base des compétences acquises avec peu d'images. Plus il y aura de deepfake, plus la qualité sera meilleure. La différence entre le vrai et le faux sera plus difficile à discerner. Avant, cette technologie était très peu accessible avec seulement des applications dédiées aux professionnels comme Facecam ou Face2Face. Dorénavant, presque tout le monde peut avoir accès au deepfake en allant sur des applications gratuites comme DeepFace Lab ou Zao, uniquement disponibles en Chine. Pour avoir un résultat qui trompe presque à coup sûr, il faut avoir quand même un minimum de compétences informatiques et un ordinateur assez puissant. Mais cela reste quand même à la portée d'un grand nombre de personnes. De nombreuses associations, célébrités ou encore de grandes universités créent des deepfakes pour sensibiliser le public. Le deepfake a été détourné pour usurper l'identité d'un individu de manière réaliste pour utiliser son image et toucher un public plus ou moins large. Le public est donc perturbé et se sent manipulé par ces fausses vidéos. De nombreuses personnalités publiques ont été visées par ce phénomène qui prend de l'ampleur, comme des hommes politiques comme Barack Obama, Trump ou encore Monsieur Macron qui ont été victimes de deepfake. Comme le dit Solange Gernauti, professeure à l'Université de Lausanne et experte internationale en cybersécurité et cyberdéfense, on peut imaginer qu'à l'avenir, on fabrique du deepfake à la demande, adapté à différents publics pour nous orienter dans nos choix et nos votes. On a peu de références communes, on ne part peu de la même chose et devient impossible de débattre ensemble. C'est très inquiétant. Rétablir la vérité est hélas toujours plus long et difficile que propager un mensonge. On peut citer comme par exemple le deepfake de Donald Trump sur la fausse guérison du sida vue 3 millions de fois en quelques jours, ce qui montre l'impact que cela peut avoir sur l'opinion publique. Today is a historic day. I have tremendous news. Today, we eradicated AIDS. Réaliste. Pourtant, ces phrases n'ont jamais été dites par le président américain. Malheureusement, cette vidéo n'est qu'une parmi tant d'autres. Les barrières entre le réel et le fake ont disparu, emportant avec elles la confiance du monde entier. Remettant en cause la phrase « je ne crois que ce que je vois », car maintenant, qui peut affirmer que ce que l'on voit n'est pas un deepfake, une vidéo trafiquée ? Suite à ces problèmes, des précautions commencent à être mises en place. Selon certains articles, il existe par exemple un outil informatique d'analyse du visage d'une personne sur une vidéo. À chaque seconde, celui-ci cherche la probabilité qu'il y ait des artefacts. Il y a aussi d'autres IA comme InVid, de l'AFP qui analyse aussi les opérateurs mathématiques, c'est-à-dire la correction de la couleur, le débruitage des contractions, entre autres, ce qui permet d'évaluer statistiquement si une image est truquée ou non. Le deepfake est un nouveau format. Cette évolution de l'IA marque un nouveau tournant dans l'évolution des médias. Une utilisation saine ne peut être que la source de bonnes choses. Mais si celle-ci est malsaine, cela peut vite tourner à la catastrophe. On peut alors se demander à quoi ressemblera le monde des médias dans une dizaine d'années.